Salut à tous, soyez bienvenus sur Shiny Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Discovery Game, il y avait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, et aujourd'hui ce sera un Discovery Game un peu plus spécial parce qu'on trouve qu'on ne parle pas assez des jeux indépendants. Donc de temps en temps, quand on aura l'occasion, on va vous présenter un jeu indé. Et aujourd'hui on va découvrir un jeu de chez Elion 4, que moi je qualifierais de Dr. Kawashima. Donc le jeu sur DS, hein, entraînement cérébral, voilà. Donc j'en dis pas plus, on découvre ça ensemble tout de suite. Alors, donc, le jeu s'appelle Top Memo, voilà. On va se connecter tout de suite. Ça, c'est une petite pub, c'est pas grave, on la passe. Voilà. Alors, comment ça se présente, ce jeu Top Memo ? Comme je le disais, ça me fait penser au jeu du docteur Kawashima sur DS parce que on a donc le professeur là sur le docteur là sur la gauche et le neurone, comme ils appellent, sur la droite. Alors pour l'instant il va bien. Pardon. Parce que j'ai déjà joué aujourd'hui. Mais quand on oublie de jouer une journée. Il devient tout pas bien, il a des taches, des points rouges, je crois, un thermomètre dans la bouche, enfin genre, j'ai la rougeole, je suis pas bien, je suis malade, quoi. Parce qu'on n'a pas joué. Alors, donc, comment se présente le jeu ? On a la page d'accueil, comme vous voyez là. Là, l'onglet jeu, avec tous les petits jeux disponibles, et sur la gauche, l'entraînement journalier. L'entraînement journalier, donc, c'est une sélection de 3 mini-jeux. Que vous faites donc tous les jours pour vous entraîner, hein, et puis le fait de revenir tous les jours, bah, vous avez des petits bonus de temps en temps, des petits cadeaux, comme par exemple ici avec le neurone. Ben, comme j'ai joué plusieurs fois, ça c'est le neurone de base. Voilà, ça c'est le neurone de base. Alors j'ai gagné son petit chapeau en faisant je ne sais plus quoi, et maintenant j'ai encore gagné un autre déguisement. Et donc vous voyez que vous pouvez aussi gagner un skin en partageant sur Facebook, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, on a de temps en temps des petits conseils, des petites infos du docteur là aussi. L'onglet profil, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, les statistiques de tous les jeux auxquels on a déjà joué. Et dans les options, volume musique, volume effet sonore, fréquence d'identification, ce genre de choses. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est l'onglet jeu. Et ben je vais vous montrer chaque mini-jeu parce que en somme c'est pas très très long et ils sont très chouettes. Donc on va en profiter pour les découvrir tous. Et on commence par le premier, amateur d'art. Alors amateur d'art, qu'est-ce que c'est ? Donc vous allez avoir une sélection de tableaux à mémoriser. Que ce soit avec le nom du tableau ou l'image du tableau en lui-même. Et par après, on va vous donner chaque fois 3, je pense, tableaux différents. Il faudra se souvenir lequel était dans la liste qu'on vous a proposé au début. Donc, on y va. Alors là, maintenant, il faut mémoriser. Léna fait abonner à 12 tableaux. Voilà, on a 12 tableaux. Donc là, il faut un minimum de concentration pour essayer d'en retenir un maximum. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait ? Alors, l'annonciation, je pense. L'impression 1. L'énergie 1. Oh là là, je crois que c'est la vie. Oui, bon, ça 12 sur 12. Meilleur score en plus, chouette. Donc c'est le meilleur score que j'ai fait sur ce jeu, c'est top. Donc voilà, ça c'était le premier. Vous voyez, c'est pas des jeux très difficiles. Mais j'imagine qu'à force de les faire tous les jours, ben, c'est bon pour l'entraînement cérébral, j'imagine. Et puis, vous verrez qu'il y en a 2-3 là qui sont un peu plus ardu parce que moi il me stresse un petit peu plus, mais vous allez voir. Alors quartier au courant, très facile, faut relier
le plus vite possible les maisons pour leur redonner du courant dans l'ordre des numéros. Ça, pas très difficile. 1, 2, 3, 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Yeah, encore un meilleur score, c'est bon ça. Donc celui-là, vraiment pas difficile, et vraiment super rapide. Mais il est chouette quand même. Hein, il n'y a pas de raison. Alors, ici, altovirus, qu'est-ce qu'on va faire? On va toucher les cellules quand elles sont infectées. Donc faut pas se tromper, faut pas appuyer sur les cellules qui ne sont pas infectées. Ben, il n'y en a aucune d'infectée là pour l'instant. Et il ne faut pas toucher les cellules donc de la même forme que celles qu'on doit toucher, mais qui n'ont pas le petit point noir. Attention. Alors, c'est pas compliqué, en tout cas pas au début. Mais au fur et à mesure que le niveau augmente, ça va de plus en plus vite. Et ben forcément, à un moment, on se plante. Hein. Je soupçonne d'ailleurs les développeurs qu'à partir d'un certain niveau, moi j'ai chaque fois la blague, à partir d'un certain niveau, j'ai beau appuyer, j'ai l'impression que ça marche plus. J'appuie vite et ça marche pas. Donc je ne sais pas, est-ce que les développeurs auraient mis quelque chose pour qu'à un moment on arrive quand même à la fin du jeu, je ne sais pas. S'ils me regardent, ils pourront peut-être me le dire. Non, je pense pas, hein, mais je pense que c'est peut-être parce qu'on va vite et du coup on n'appuie pas bien, peut-être ça. Alors, j'en profite pendant ce jeu-là qui est pas très compliqué et qui ne nécessite pas beaucoup d'explications. Hein, pour... Oh zut! Voilà, j'ai mal appuyé. Idiot. Pour vous dire aussi que ce jeu, il a été développé en partie par donc un des membres de l'équipe du studio d'édition, je vais dire, est médecin. Et je sais que lorsque vous achetez par exemple la version premium, c'est possible de via un système du jeu envoyer vos statistiques ponctuellement à votre médecin traitant ou le médecin de votre choix, hein, si vous êtes suivi par un médecin spécialiste du cerveau ou je ne sais pas, et bien vous pouvez lui envoyer vos statistiques. Donc c'est quand même sympa parce que ça, bon, j'en ai parlé avec les développeurs, c'est une ne se targue pas d'avoir un jeu qui est thérapeutique, plutôt préventif. Donc si vous voulez un petit peu, si vous avez l'impression que c'est pas, ça va pas toujours très bien à ce niveau-là et que vous avez envie de faire part de votre suivi à votre médecin, et ben c'est possible. L'application le permet. Mais il faut passer en version premium pour ça. Je ne sais pas vous dire exactement combien c'était. Voilà, là vous voyez, ça commence à aller plus vite. On est au niveau 5, donc ça commence à aller plus vite. Et là, j'ai déjà perdu un bout de ma barre de vie en appuyant mal en parlant. Je sais, vous allez dire, ouais, elle dit ça, parce qu'elle veut pas admettre qu'elle a raté, alors elle invente que c'est parce qu'elle parlait. Mais non, je vous assure que d'habitude, je vais jusqu'au niveau 7 sans problème. Il y a d'ailleurs. Ça devient, c'est plus rapide. Voilà, aïe. Ah, voilà. Niveau 8, c'est foutu. Et c'est pas mon meilleur score. Hein. Donc, comme je vous le disais, c'est pas bien. C'est pas une bonne partie, ce coup-là. Alors, maintenant, on va passer au jeu qui me stresse un peu plus, comme je vous disais. Parce que, alors, on va commencer avec Panique à la bibliothèque. Le but étant de remettre les étiquettes dans le bon ordre. D'abord alphabétique, et puis... l'ordre numérique et puis alphabétique. Alors, c'est pas compliqué, mais il y a le chrono à côté, là, qui te stresse, qui te dit « Groupe-toi !» Et c'est ça, je trouve, qui est assez stressant, en fait. Donc, 5 E, c'est bon. 5 I, donc, puisque c'est le numérique d'abord, c'est bon. On a des petits codes à deux
de lettres ou de chiffres ou un chiffre de lettres, on est bien. Après, ils vont en mettre 3-4. Là, ça va se compliquer. 2EM. Et alors, les touches sont petites, donc tu veux appuyer, tu veux te dépêcher, ça va pas. Mais bon, j'imagine que le but, évidemment, c'est de revenir tous les jours pour s'entraîner. Comme ça, plus tu t'entraînes, plus facile tu auras. 7ES. 7ES. Et alors, tu as intérêt à bien retenir tes chiffres et tes lettres avant, parce qu'une fois que tu as commencé à retaper, fini, tu sais plus les voir. Hein. Donc, 48, j'ai livré. J'ai déjà eu la blague, des fois, je suis là avec mes chiffres. Ah ouais, 4, 8, machin. Ah, c'était quoi les lettres? Ah, c'était pas ça. Tiens. 5, 8, FK. 5, 8, FK. Alors, 5, 9, CHU. 5, 9, CHU. Oh, pardon, CHU. Après, 4, 5, 6, TW. Hop. De 8 FST. Un, deux, cinq, BLM. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, je pense pas que ça va être... Non, j'avais dit, je pense pas que ça va être mon meilleur score. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans le même genre, on a la sandwicherie. Je vais le prendre directement, celui-là. Il est pas compliqué. Mais alors, il faut bien lire et bien retenir. Baguette américain, jambon, poulet. Alors, américain, jambon, poulet. Je trouve que c'est pas difficile de retenir stupidement, mais il faut le retrouver dans le tableau et c'est une raison. Poulet, jambon, aubergine. Poulet, jambon, aubergine. Parce qu'il faut se dépêcher, il y a du temps. Et le tableau ne change pas du tout le même. Pain, oignon, poulet. Donc, encore une fois, plus tu t'entraînes. C'est pas ça? J'ai demandé pain, oignon. Ah, moutarde, pardon. Alors, salami, salami, saucisson, salami, salami, saucisson, tomate, Serrano, cornichon, salade, serrano, cornichon, salade. Jambon, maillot, oignon. Baguette, oignon, ketchup, salade, oignon, ketchup, il est où, là, ça marche. Ah, oui, donc c'est pas compliqué, mais c'est stressant, parce que tu dois te dépêcher et tu trouves pas. Poulet, tomate, carotte. Et après. Olive, tomate, salade. Merci, à la prochaine, de rien. Ah, cool, mais ça, je pensais pas. Alors, il nous reste Temple perdu et Temps moderne. Alors, Temple perdu, lui aussi un peu stressant, un peu énervant, hein. Donc, oui, je perds du temps là. Le but étant de... Donc, tu tapes sur la porte, tu retrouves le code de la porte à l'aide des petits sigles qu'il y a sur le côté et tu ouvres la porte. Le but, c'est de retrouver la salle du trésor, sachant que tu peux te tromper de porte, parce que tu auras deux portes après, et du coup, perdre du temps pour arriver au trésor. Et encore une fois, là, tu dois te dépêcher et du coup... Voilà. Bon, on va aller par là, à droite, disons. 2, 8, 13, 13, 13, 1, 1, 1, hop. Et voilà. Voilà, là, tu vois, mauvaise porte, tu retournes en arrière, tu perds du temps. 1, 7. Voilà. Tout droit. 2, 1,
7, 8, 1. Alors, 8, 1, 2, 9, 8. Oui, salle du trésor. C'est pas le meilleur score. Ah si, ah ben, décidément, c'est un bon jour. Et on termine par temps moderne. Temps moderne, c'est pas très compliqué, c'est chouette. Tu dois regarder si le code sur le carton est le même que celui dans la machine au-dessus et valider ou refuser. En l'occurrence, ça, c'est pas bon. Le but toujours étant d'aller le plus vite possible et de ne pas se tromper. Pour avoir un maximum de points. Ah mince! Je dis en moi-même que c'est pas bon et j'appuie sur bon. Je suis en pleine concentration. Ah, flûte. Ce sera vraiment pas mon meilleur score, hein. Non, je m'en doutais. Voilà. Eh bien, donc, on a fait le tour de cette petite application Top Memo, très sympa, j'aime beaucoup, je vous la conseille, elle est très chouette, comme je le dis, moi, ça me fait vraiment penser à Dr. Kawashima. C'est vraiment sympa, et comme vous le voyez, il y a deux petites bulles bientôt, ben, c'est parce qu'ils travaillent encore et toujours sur des nouveaux mini-jeux. Donc, voilà. Sachez que le jeu est en free-to-play, vous avez une version premium. Vous accédez, je pense, à tous les jeux directement, comme là maintenant, comme j'ai. Mais sinon, l'entraînement journalier vous donne des nouveaux mini-jeux tous les jours. Donc, bon, une fois que vous les avez tous faits, ça recommence. Mais vous avez l'occasion de tester des nouveaux mini-jeux tous les jours. C'est pas les mêmes à chaque fois. Donc, c'est pas monotone, c'est très sympa. Je vous le conseille vraiment. Testez-le, vous allez voir, c'est très chouette. Et vous pouvez faire ça. En attendant le bus, par exemple, quand vous avez 5 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. C'est très chouette, je vous le conseille. J'espère qu'il vous aura donné envie. Et surtout, si vous le testez, marquez dans les commentaires ce que vous avez apprécié, quel jeu vous préférez, lequel vous aimez moins, voilà. Donnez-nous vos impressions, voilà, voilà. Eh bien, voilà, j'espère que ce Discovery Game version jeu indé vous aura plu. Entre-temps, j'ai appris qu'Elion 4 travaillait également sur un board game, donc n'hésitez pas, suivez bien leur page Facebook aussi pour en apprendre plus sur ce qu'ils font et suivre tout ça avec attention. N'oubliez pas aussi, pour Shiny Gaming, pour notre part, de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et puis, l'important, la petite cloche, je ne l'ai encore jamais dit, mais n'oubliez pas la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos pour bien en être informé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde. Ciao !